c'est l'heure de retrouver, vous l'avez entendu, elle était là. Go, 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 j'ai voté Romano. Elle a voté pour Romano tout à l'heure, à la fin du clash, c'est pas Mella. Ouais. Une voix sensuelle, ouais. Un physique de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ouais, ça monte là, ouais. C'est pas Mella sur Skyrock. Nick, 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 on nique le gros Cédric. ça va aller, Pamela, on va se calmer là. C'est joli, t'as fait une chanson pour Cédric. Ah ouais. Ah, ça va être le début de l'amour, Cédric. Ouais, certainement, ouais. Ah, c'est ça. J'imagine qu'elle va craquer pour moi, la belle. J'imagine qu'elle va craquer pour toi, Cédric aussi. Ouais. Voici. Je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Ouais, j'imagine que tu vas craquer pour moi, ma chérie. Bon, avant ça, il y a les pervers qu'on. D'ailleurs, on est en train de draguer sur les réseaux. Ouais, j'ai vu qu'on était sur Smack. On est en action là. On était sur Smack, sur Love, vous aussi. Ouais, partout. Hein. Partout. Badoon, sur Badoon. Sur tous les sites que tu mets. Est-ce qu'on est sur Tinder? Bien sûr. Voilà, moi je suis sur Grindr. Bah, c'est bien, Cédric. Bon, écoutez bien. Shop des mecs. Prends les numéros. On prend tout, nous. Écoutez les petits messages qu'on a récupérés sur le répondeur de Pamela. Pamela, un très très beau répondeur que je vous fais écouter tout de suite. Oui, bonjour, c'est Pamela, 25 ans. Je recherche à faire des rencontres coquines et discrètes. Sur le même. Laisse-moi un message et je te rappellerai. Bisous. Bisous. Voilà, un petit message. Bisous, qui fait craquer les pervers. Ils adorent. Et en plus, il y a une petite photo. Ah, une petite photo un peu mystérieuse avec les cheveux devant le visage. Ça, c'est sexy. Les cheveux jaunes et noirs. Ouais, wow. C'est ça. Ouais. Blonde et brune. Ah voilà. Jaune et noir. Oui, mais c'est blonde version jaune. Oui, bah écoute. Et brune version noire. Avec le Covid, là, j'ai pas pu me faire refaire ma couleur. C'est ça. Eh bien, on écoute ceux qui ont laissé des messages cette semaine sur ton répondeur, Pamela. Allons-y. Et vous nous dites ce que vous en pensez. Allez. Écoutez bien. Oui, je recherche partenaire pour bon plan cul. Waouh. 87, 91. Oh, ça va. Et quelle idée aussi. À bientôt. À bientôt. Ah, mais tu sais, pour un peu, il fait ça, sa femme, elle est en train mais de. Mais c'est pour ça, elle est en train de dormir, mais c'est sûr, c'est ça. Non, mais le mec, il fait flipper. T'as l'impression que t'es dans un film d'horreur. Ah, ouais, là. Ah, tu m'étonnes. C'est abominable. C'est le mec, il est angoissant. T'as l'impression qu'il veut. C'est excitant. C'est Halloween avant l'heure, lui. Et écoutez avec une petite ambiance, qu'est-ce que ça donne. Oui, je recherche partenaire pour mon plan cul. 07-87-91. À bientôt. Je peux également l'écorcher. Ça fait flipper. Tu les ressortiras pas vivant. Il est pas mal. Il fait peur. Oh, oui, mais il est pas mal. Voilà, je peux être ton garde du corps, bébé. Alors, Pamela, garde du corps. Oui. Ça aussi, c'est l'horreur. Quoi, attends. Cédric est ton garde du corps. Bah au moins t'es en sécurité. Ah là là. Ah. Bon, moi je pense qu'il faut le garder lui. On essaiera de l'appeler dans un instant. Enfin, avant minuit. Et vous croyez qu'il parle tout le temps comme ça? Je sais pas, on va voir. On va faire le test là. Bon, on commence fort. Un autre. Oui, Pamela, mon numéro c'est le 06 49 92. Voilà, je suis un jeune homme de 29 ans et j'aime bien m'amuser. Oui, j'adore le cunnilingus et voilà. Ouais, voilà, cunnilingus. Ciao. Eh ben oui, vous avez vu, on trouve de tout. Il n'y a pas que des espèces de dégénérés. Oui, bonjour. C'est vrai. Ouais, quoi, bon, il est quand même chelou. Le premier truc qu'il t'annonce, j'adore le cunnilingus. Eh ben, il te donne le menu. Il te donne le menu de la soirée. Ah, cool, je dis, t'as le menu, un cunnilingus. Un cunnilingus. Vous êtes chaud dans le sud aujourd'hui. Hein. David, pour le troisième pervers de ce soir. Bonjour Pamela, c'est David, j'appelle concernant l'annonce que tu as laissée sur Viva Street et je voulais te proposer une rencontre un peu inédite qui sort un petit peu du commun. Je t'en dirai plus une fois qu'on pourra parler au téléphone. Et bien écoute, tu peux m'appeler au 06 51 86. Et tu peux m'appeler jusqu'à 17h maximum. Voilà. Merde. On peut se voir rapidement. Après, il y a sa meuf. À tout à l'heure. Ouais, c'est ça, il y a sa femme, je crois. Après, on a raté l'horaire. Il y a sa meuf à la maison à 17h. Oui, elle rentre à 17h à la maison, donc appelle-moi jusqu'à 17h, mais maximum, pas plus tard. Je serais curieux de savoir c'est quoi son idée de merde là. Ouais, moi aussi, il en dit pas 16. Truc de bof, à mon avis. Ah ouais, ça va être un truc pété qui va. Voilà, petit atout dans une queue-leu-leu. Non, Cédric, on appelle pas ça une queue-leu-leu, on appelle ça une chenille. Ah oui, allez, on va faire un tour dans la queue-leu-leu. Pose tes deux pieds en canard, c'est la queue leu-leu qui redémarre. C'est bien. Je connais mes grands classiques. C'est vraiment sympa ce que tu chantes. Voilà, en avant les voyageurs, la queue leu-leu, elle est toujours à l'heure. Bon, allez, un autre. Je sais pas, on a écouté Didier. On va pas écouter Didier.
Oui, bonsoir Pamela, excuse-moi de vous déranger, je suis Didier. Oui. Je serai sur Paris la semaine prochaine, votre voix est très attirante et je voudrais qu'on se rencontre si c'est possible. Donc vous pouvez me rappeler au 06 25 29. Très bien. Merci d'avance. Il a du goût, il a du goût. Une voix très très attirante. Eh oui, Pamela, vous l'avez craqué. Il a sans doute l'oreille absolue. C'est sûr. Un autre. Au 09 67 40. Moi, j'ai vu ça, je me suis fait raser la bite, tu m'assuces. Ah, c'est bon ça. Tu me fais raser la bite pour toi. Ah, il me fait raser la bite, tu m'assuces. Ah, ouais, non, il te le dit direct. Il me fait raser la bite juste pour toi. T'as envie de lui dire ça, c'est une bonne nouvelle, dis donc. C'est cool. Je suis content pour toi. Elle est cool ta life. Et les filles, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là. Quand vous écoutez un mec, il laisse un petit message comme ça. C'est un message, t'hallucines. Le message, il fait 9 secondes. Hein. Et dans les 9 secondes, le mec donne son numéro de téléphone, vous dit bonjour, mais vous précise quand même qu'il s'est fait raser la bite et qu'il a envie de se la faire sucer. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce la moment-là? Grande classe. Marie, t'entends ça? Non, ça mais t'hallucines. Tu te dis, pauvre gars. Tu passes. Oh, de méchante. Vous êtes méchantes, les filles. Non, mais. Bon, après, si tu cherches que du cul, bon, bah voilà, il va direct au truc. Mais si tu cherches une relation, oui, il te fait un peu peur. Bon, Hervé, on l'a écouté, Hervé? On n'a pas écouté, Hervé? Non. Putain, mais il y a du monde cette semaine, Pamela, mais tu fais un vraiment carton bizarre, hein. Sexy baby. Hervé, passé, fait acté, peut pas recevoir aujourd'hui ou demain pour un bon plan cul. Au 06 27. Bon, bah alors ça, vraiment. Bon plan, Pamela, un homme, mais vraiment, c'est quand même dingue. C'est fou. J'ai un ami personnel aussi qui ne fait plus la différence entre les garçons et les filles. Mais bon, en 2020. C'est ouais. Cédric. Oui, c'est Cédric. Bah, si je fais la différence, t'es gentil, toi. Voilà, une fille, elle a un gros zizi. Voilà. Bien sûr. Ouais. Allez, le dernier pour cette petite série, puis après, on les appelle. Homme soumis au 07 87 30. Dans dessous féminin, recherche un homme dominateur ou une femme dominatrice pour m'exploiter mes fesses pour s'appuyer sur son esclave. Donc 80. Et ben voilà, on a, ça, c'est bon, ça. On a ce qu'il faut pour la soirée. Là, exactement, c'est bien. Ce qu'il nous faut. Voici donc nos pervers. Et tout à l'heure, donc on va essayer de les appeler. Et on est en train de draguer en live en plus sur tous les réseaux. Putain, comme il y a un Yub, il t'a envoyé sa top, mais là c'est dégueu. Elle est comment? Ah, elle est dégueu. Bah, je l'ai que sur le téléphone. Oh, là. Là, il y a sa tête, c'est un vrai Yub. Voilà. Elle a sa tête. Et là, ça teub dégueu. Oh, tu vois, il aurait 60 ans de moins, peut-être qu'il m'intéresserait. Ah ouais. Bon, Ah, elle est immonde. Je vois qu'on cartonne. Qu'est-ce qu'elle a, sa teub? J'ai pas vu sa teub. On dirait une limace. Elle est fine au début, elle est toute. Non, mais il a genre un priapisme au bout. Ah ouais, elle est toute cabossée. Elle est toute grosse au milieu et puis elle. Ouais, t'as l'impression qu'elle est cabossée au milieu. Comme une limace, en fait. C'est une limace, la queue limace. T'as déjà connu ça parmi tes mecs, Marie? Non, j'ai pas eu de queue limace. Pas de queue limace. Ah, et puis je salue là avec nous. C'est Marie. On débite. J'adore me faire. Ah, j'avais mal lu sur ma fiche. Elle aime se prendre des bites. Elle aime se prendre des buts. C'est Pamela. Oui. Qu'on retrouve tout de suite. Pamela, la diva. Wow. Ah, ouais. Une voix sensuelle. Un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est bien. C'est Pamela sur Skyrock. Bon allez, on a écouté nos pervers tout à l'heure. On essaie de les appeler. Moi, j'aimerais bien que vous appeliez lui là, parce que j'ai promis de le faire écouter. J'adore. Moi. Attention, attention. Écoutez-le bien. Écoutez-le bien, mais attention. Oui, je recherche partenaire pour mon plan cul. 07 87 91. Bientôt d'en faire entrer l'accusé. À bientôt d'en faire entrer l'accusé. Vas-y, on essaye, je sais pas si vraiment. Allez, on essaye. Vas-y, Pamela, t'es prête en fait? Ça sonne. Évidemment, je suis prête, j'attends. Est-ce qu'il t'excite? Ah, terriblement. Terrible. Il me fait un peu peur quand même. Il est mystérieux. Ah, bah ça, c'est mystérieux, le terme. Oui. C'est. Tu veux qu'on appelle l'autre qui a la bite qui coule aussi? Oui, mais j'ai très envie de faire pipi. Ah, bah lui, là. C'est une goutte, hein, c'est le mec suriné sur la. Allô? Messagerie Orange, bonjour. Bonjour, bon, désolé pour. Oui, bonjour. Oui. Oui. Bon, lui, on oublie. Allez, les autres. Vas-y, Samy. J'aimerais bien savoir si, mis à part nous et Pamela. Il y a des gens qui l'appellent? Non, mais sérieux, je me dis, mais qui peut appeler ce genre de mec? C'est une bonne question. Ouais, il a une bite énorme. C'est quoi le truc, là? Ah, c'est son slip? C'est quoi, ça? On peut voir. Regarde, tiens, Romano, je te donne la bite de et la banana. Allô? Allô? Merde. Allô? Non, il m'a entendu. J'ai une allô? Bonjour. Voilà. L'autre m'avait entendu. Il a une voix tellement. J'ai une voix tellement virile que, évidemment, il ne peut pas me prendre pour une femme. Tiens, je te donnais la banana. Mais non, mais putain, mais t'es. C'est le pommeau de douche. Ah, c'est pas la comparaison. C'est le pommeau. Et là, c'est le truc de la douche avec l'eau qui coule. Ah. Tu sais, la comparaison pour mettre comparé avec ça. En fait, non, je pense qu'il a une grosse bite. Ouais. Non, mais en fait, ouais, c'est pas la gougoute, hein. C'est de l'eau.
Ah, c'est de l'eau. Il était en train de se laver la queue. Ah, d'accord. C'est pour montrer qu'il est. Parce qu'il y a des gougouttes. Sinon, il y a énormément de gougouttes. Sinon, le mec a une fuite. Mais il a une grosse, grosse bite, hein, Marie. Allô ? Oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. Pamela. Pamela. Ouais, on a discuté sur les réseaux. Hein ? J'ai envie de me caresser. D'accord. Et toi ? Moi, je dors. Tu dors ? Mmh. Bah, réveille-toi. Drin, drin. Voilà, allô ? Allô ? Et mon réveil, il a sonné. Non, c'est Cédric, il vient de se réveiller en sursaut. Le mec drague et il s'endorme derrière. Le mec est dans le même état que Cédric. Non, lui, et puis le mec donne envie. T'imagines. C'est lui avec la pomme de douche là. Ah, c'est clair qu'il donne envie. Avec le pommeau de douche. Marie, tu tombes sur un mec comme ça, ça te fait quoi? Ah, non, mais c'est pas très motivant. T'es motivé. Ouais, ça m'est arrivé une fois. De quoi tomber sur un mec comme non, ça. Non, j'avais dragué une meuf. J'avais dragué une meuf sur les réseaux, j'ai perdu le téléphone, elle s'en battait les couilles. C'est vrai, c'est sa vie normale, quoi. Non, mais ouais. Tu sais, des fois, je suis sûr, elle posait le téléphone, tu sais, je parlais, des fois, je lui dis allô. Elle était là, ouais. Ah, excuse-moi. Ouais, ça, mais ouais. Moi, j'ai lâché l'affaire. Vous êtes bien sur le répondeur Bouygues Télécom. Oh, on est bien sur le répondeur Bouygues Télécom. Bien. Ouais, on est bien. Ouais. On était bien. Allez, un autre. Cédric, c'est bien, il est content là. C'est sa plus grande activité, se tourner les pouces. J'adore. Allô. Allô. Ouais, bonsoir, c'est Pamela. Comment tu vas? Ça va et toi? Bien. Là, je suis dans ma chambre d'hôtel, là, je suis en déplacement professionnel, j'ai envie de me caresser. Très bien. Ah, et toi? Moi aussi. C'est quoi ton prénom? Mourad. À quel âge, Mourad? 53. 53. Ah, oui. T'es de quelle origine? Algérie. Ah, j'adore. Ah, one, two, three, vive l'Algérie. Oui. One, two, three, t'as un gros zizi. Oui. One, two, three, tu vas me casser le petit. Oui. Ah, t'es en train de te branler, là. Oui. Ah, dis-moi des choses. Qu'est-ce que tu me ferais, Mourad, si j'étais à côté de toi? Je t'enculerais. Ah, vas-y, aucunement. Ah, ouais. Ah, tout très vive la sodomie. Ah. Ah, vas-y. Ah. Putain, ah, vas-y, enculement. Ah, Psartek, c'est bon. Ah, ta queue est raide. Oui. Ah, je la sens dans mon cul. Oui. Ah, vas-y. Ouh. Ah, vas-y, Mourad, vas-y à fond, je vais t'entendre jouir. Vas-y, brûle-toi fort. Ah, vas-y. Oh, fais-moi du mal à mon cul. Oh. 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 Ah, ça y est. Oui. C'était bon. Oui. Ah. One, two, three, t'as joui. Oui. Ah. T'es tout seul, là? Oui. T'as joui où? Il est où, le sperme? Dans mon slip. Ah. 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 C'est bon, ça. Oui. Eh bien, écoute, je t'embrasse, Mourad. Oui, merci. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Psartek. C'est le mec. Bisous. Eh ben voilà, minuit pile. Elle devait serrer à mon minuit. Ah, voilà. Tu sais, au moins, s'il fait pas chier, ben. T'encule. Et les trois. Au moins, si t'encule. Et derrière. Bravo. Ah ouais, non, mais. Je suis dans son slip. Dans mon slip. Eh bien, tu as encore rendu un homme heureux. C'est vrai, quand même, au début. Je t'en fous, quoi? Je t'encule.
Moi j'aime le romantisme comme ça. Bon, on voit si on a. Il y a d'autres numéros. On en a plein. Ah, bah, il faut que j'aille pisser là. Bon, alors vas-y, Pamela, on est de retour. On aura la réponse à notre sondage d'Express. Vous pensez que Cyril de Lille, qui est l'amant d'une meuf depuis un peu plus d'un an, ils sont partis en vacances ensemble.